Ok, Yuva, je suis la plus grosse tête du hip-hop français, je suis le meilleur speaker du monde. Mon histoire, moi, elle est simple, je suis de la première génération de la culture hip-hop. J'ai commencé à danser en 1982, et j'ai jamais lâché, j'ai toujours dansé, sauf que j'ai fait des formes de danse qui étaient complètement différentes. J'étais un putain de danseur debout, j'étais un popper pendant des années. Après, j'ai fait de la hype quand il fallait faire de la hype. Après, en 95, j'ai refait du pop, mais entre temps j'avais kiffé une danse qu'on appelle le voguing, donc j'ai mélangé les deux, et les deux c'est ce qui m'a donné une certaine originalité à partir de 95, quand tout a redémarré. Ça faisait de moi un danseur assez original. Ok, donc après on va parler la deuxième période, on va dire la période Benji. À la période Benji c'est différent. Benji c'est un petit jeune que j'ai pris sous mon aile, qui à la base dansait debout. Et moi, comme j'aimais beaucoup le vogue, il a subissé mon influence. Et dans le voguing, il y a beaucoup de choses qui sont axées sur la souplesse. Et je trouvais que dans le break, la souplesse n'existait pas réellement. Donc je lui montrais de temps en temps des vidéos sur le voguing. Et à partir de là, lui, ça a ouvert son esprit. Voilà, ça a ouvert son esprit. Donc après, j'ai dû prendre le petit Benji, l'emmener dans plein d'événements. Tous les soirs, j'étais dans sa chambre et tous les soirs, je m'entraînais avec lui. C'était très difficile de s'entraîner avec Benji parce que Benji c'est un génie. C'est ce qu'on appelle un génie du break. C'est-à-dire que j'ai jamais retrouvé ça dans l'ensemble de toute ma carrière, avant Benji et après Benji. J'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi créatif que Benji. Par exemple, on peut arriver dans sa chambre, être un putain de b-boy, le relais s'entraîner et à la fin rentrer chez soi et commencer à cogiter et se dire ah ouais, finalement c'est chaud. Parce que le mec, on l'appelait une idée par minute, tellement il était impressionnant. En plus de ça, c'est quelqu'un qui avait des facultés, voilà. Tu lui montrais un mouvement. Il y a beaucoup de b-boy français qui sont venus dans sa chambre pour s'entraîner avec lui. Et à chaque fois, c'était toujours la même chose. Et à chaque fois, quand tu ressortais, il disait mais ça n'existe pas normalement. Quelqu'un qui a autant d'idées et autant de mouvements différents pour l'époque. C'était pas possible. Et moi, mon travail à moi, c'était non seulement de cadrer son entraînement, mais c'était surtout de lui donner ma mentalité. T'es pas là pour être l'ami de qui que ce soit, voilà, c'était ça ma politique. T'es là, chaque danseur est un marchepied, chaque danseur est une personne qui peut te faire aller vers l'avant. Si tu t'entraînes autant d'heures, c'est pour être le meilleur. Sinon je disais ça sert à rien. Et moi et Ben, on se donnait un challenge, et que moi quand j'arrivais dans un événement, c'était surtout moi et Benji qui se donnait ce challenge-là. Je disais à Ben, choisis qui tu veux, je vais le chercher, n'importe qui, je m'en foutais. Voilà, j'avais le truc. Et je disais à Ben, par contre, tu vas chercher celui que moi je veux. Et c'est comme ça que moi et Ben, au fur et à mesure, le respect s'installait, et que au fur et à mesure, Ben c'est devenu la grosse tête du b-boying français. Et à un moment donné, moi, Ben ne m'écoutait plus trop, parce que tout le monde voulait danser avec Benji. Benji c'était le grand nom, tout ça, et que moi, au bout d'un moment, j'étais beaucoup plus âgé que lui, mais il avait fait le film, donc c'était la star du break, il fallait même pas de mots en France. Et ce qui faisait qu'à un moment donné, la relation entre moi et lui, elle continuait, en tout cas au-delà de l'amitié, mais plus dans la danse, c'est que je montrais à Ben que j'étais quelqu'un qui avait peur de personne et que je pouvais défier tout le monde, et que je me foutais de savoir si j'étais plus fort ou moins fort que la personne, c'est que j'autorisais personne à me manquer de respect. Et ça, c'est comme ça que mon nom s'est fait, et c'est comme ça qu'entre moi et Benji, les rapports au niveau de la danse, elles sont toujours créées. C'est pour ça qu'il m'a toujours écouté, et j'en ai fait pour moi. Pour moi, Ben, ça a été pour moi le meilleur b-boy du monde, le plus fort, celui qui allait le plus en avant, celui qui avait toujours des nouveaux mouvements, et celui que toute une génération a copié, mais réellement copié. Moi, en tant que speaker des petits Benji, si j'étais un mauvais speaker, je pourrais dire plein de choses au micro, je le ferais jamais. Je suis un professionnel, mais je vois tellement de choses. Donc voilà, ça c'est plus l'histoire entre moi et Benji. En créant Benji, je me suis intéressé au b-boying. Mais avant Ben, je m'en foutais du b-boying. J'étais un popper. Le break, ça me parlait pas. Mais j'ai vu le break grandir tout au long de ma vie. Mais ça m'a jamais interpellé plus que ça. Je m'en foutais, mais totalement. Moi, c'était le pop que j'aimais. Voilà. Ok, donc maintenant, on va parler de Yuval, le speaker. Ah, moi en tant que speaker, la première fois que j'ai pris le micro, je l'ai pris parce que j'organisais pas mal d'événements qui étaient gratuits, notamment à la Défense. Et que au moment où je l'ai pris, j'étais pas un bon speaker. Je vais aller plus loin. Les speakers, tout le monde s'en battait les couilles en France.
n'importe quel speaker, qui est, n'importe quelle personne qui était speaker en France, c'était pas un élément important, le speaker, pour nous, en France. C'était, ça pouvait être n'importe quel nom, son nom ne ramenait pas un public. Seulement quand moi je suis arrivé, j'ai changé tous les codes. Mais avant de changer tous les codes, j'ai regardé tous les speakers français et la plupart des internationaux qui avaient un nom, j'ai écouté ce qu'ils disaient, je regardais leurs gestes, je regardais ce qu'ils faisaient pour moi être le meilleur. Moi, ma philosophie, c'est si tu fais quelque chose, fais-le à fond pour être le plus fort. Si tu le fais pour le faire, ça sert à rien. Moi, je voulais être le plus fort. Et à partir de là, j'ai commencé à créer les codes des speakers. J'ai remarqué notamment, je me suis souvenu de toutes les fois où j'ai dansé avec mon groupe Division Alpha, ou toutes les fois où jamais mon nom n'a été mentionné, par exemple. Aux États-Unis, je sais pas, j'ai fait pas mal de pays, en Espagne, dans pas mal d'événements où j'ai été, en Italie, jamais on donnait mon nom. Genre, ça veut dire que j'existais pas. Pourquoi j'existerais? Pourquoi je serais moins important que qui que soit d'autre alors que je suis un ancien? Mais bon, à la base, c'est que c'est, on ne sait pas qu'on ne citait pas mon nom, c'est qu'on ne citait pas le nom non plus des autres, ou alors des fois, ce qui était gênant, c'est que le speaker ait donné le nom de un b-boy le plus connu du groupe. Ça fait que tous les autres, genre, c'était de la merde, quoi. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai changé la donne. J'ai décidé de donner le nom de tous les groupes, enfin, notamment de tous les danseurs du groupe. Que le niveau soit là ou tout en dessous, s'il passe devant moi, je donne son nom. Et ça, avant moi, ça n'existait pas. C'est moi le premier qui disait, ouais, b-boy, hein, et qui donne le nom de celui-là, de tout le monde. Ça, c'est la première chose que j'ai ramené. La deuxième chose que j'ai ramené, c'est que j'ai commencé à donner le nom du danseur sur la musique. C'est moi qui l'ai inventé, ça. C'est moi qui ai commencé à dire, je sais pas, on va prendre un exemple, on va prendre... Je vais faire... Lil Clash, I'll be alright. Lil Clash, je vais donner le nom sur la musique. Je vais essayer. Après, des fois, c'est pas toujours juste, mais en tout cas, j'essaye sur la musique. Après, c'est moi qui, à chaque événement, et ben pourquoi je dis que je suis le meilleur speaker du monde? Déjà parce que j'ai plus de dates que tous les speakers, de la planète, ça carrément, ça m'amuse. Et la deuxième chose qui est le plus important, c'est que à chaque événement où moi je venais, et ben j'arrivais à créer des miracles, j'arrivais à créer ce qu'on appelle le 1000%. Le speaker, en règle générale, il vient, il a sa programmation, tout ça. Mais moi, je suis pas un speaker, en fait. Moi, je suis un activiste. C'est 1000 fois supérieur au speaker. Moi, je suis quelqu'un, quand j'arrive dans un événement, je ramène mon passé, mon background, ma personnalité, le petit lapin de mon chapeau que je vais pouvoir sortir à un moment et qui va retourner la salle. Moi, je suis le speaker qui peut prendre le risque de me faire virer au prochain événement. Mais je le fais parce que j'estime que dans l'événement, mon rôle, c'est pas seulement de venir animer l'événement, mais c'est d'épauler l'événement, de l'aider. C'est-à-dire que jusqu'au début de l'événement, jusqu'à la fin de l'événement, si je peux m'impliquer dans l'événement, si je peux aider l'organisateur, si je peux le conseiller, si je peux dans l'événement faire un guet-apens à quelqu'un, tout ça, je le fais. Mais très souvent, c'est en accord avec l'organisateur. Donc les gens, ils pensent que je suis fou, que je viens, que je m'accapare l'événement. Non. Très souvent, je discute avec l'organisateur et je lui dis, si j'ai la possibilité de faire quelque chose, est-ce que tu m'accordes cette possibilité? S'il me dit oui, eh ben, je fouine, ou alors des fois, je ne sais même pas ce que je vais faire. Mais en France, je pense que la plupart du public français, quand il vient voir un événement, il sait qu'il y a Yuval, il attend quelque chose de moi. Alors des fois, j'ai la magie, des fois, je ne l'ai pas. Et en aucun cas, je me sers des danseurs. Ce que je fais, c'est que je suis le premier speaker qui a donné le micro aux danseurs. Avant, ça n'existait pas. Toutes les fois dans ma vie où j'ai voulu danser, parce que moi j'adorais défier les gens, et ben jamais on me donnait le micro. Moi, je suis la première personne qui, au gré des événements, à chaque fois, dès que quelqu'un avait un problème avec un danseur, il me dit, va, j'ai envie de défier un tel, tiens, prends le micro, vas-y, fonce. C'est ça ma politique. C'est parce que c'est des choses qui ont existé avant moi. C'est pas moi qui les ai inventées. Le hip-hop, c'est un mouvement qui est violent. Le hip-hop, c'est peace and love, c'est des grosses conneries. Le hip-hop, il y a un business, voilà. Il y a des enjeux. Malheureusement, c'est comme ça. Les choses ont changé. Moi-même, je suis peace, love and unity. Mais quand j'arrive dans un événement et que je suis le speaker de l'événement, les gens, bientôt, ils vont venir avec leur tasse de thé et ils vont boire leur petit café. Non, moi, je suis là pour les faire crier. Pour moi, quand je suis speaker, il faut que ça soit le grand 8. Des fois, c'est en bas, des fois, ça monte, des fois, ça va. Il faut les surprendre, les gens, dans l'événement. Et la plupart des speakers français, enfin, des speakers même étrangers, à chaque événement, ou à chaque fois qu'ils font les événements, eh ben, c'est juste des fonctionnaires. Ils viennent, ils sont là, ils font leur petit battle, et basta. Moi, non. Moi, je suis quelqu'un, quand j'arrive dans l'événement, je fais corps avec l'événement. Ça veut dire que j'essaie d'apporter ma touche.
Mais par contre, je ne suis pas moralisateur. Je ne suis pas la personne qui va dire « Attention, le 11e commandement de Dieu, tu feras ça, ça c'est hip-hop et ça c'est pas hip-hop. » Non, 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 non. Le hip-hop, c'est ma vision, c'est ta vision, c'est la vision de l'autre là-bas et de l'autre là-bas. Et toutes ces visions-là réunies, c'est ce qui fait la culture hip-hop. Il n'y a pas une pensée qui est unique. Le hip-hop, c'est plein de visions différentes qui font la culture hip-hop. Et en plus, selon les générations et selon les années et selon les gens qui sont sophistiqués parce qu'il y a Internet qui est arrivé, et ben les mentalités ont encore évolué. Et si tu comprends pas ça, ben c'est que t'es has-been. Et moi, j'estime que la plupart des organisateurs, ben, quand ils prennent des speakers, ils devraient prendre des speakers qui sont impliqués. Moi, je suis super impliqué par la culture. Je regarde toutes les vidéos, je connais tous les b-boys, je connais les noms des groupes, je connais les anecdotes, les polémiques. Je suis spécialiste du b-boying, en fait. Je regarde tout. Et même quelqu'un, quand je l'aime pas, ça ne se voit pas au micro. Je reste neutre, je reste professionnel. Sauf quand j'étais à IBE, parce qu'à IBE, quand il y avait la France contre les États-Unis, ou la France, tout ça, moi, je kiffe les États-Unis. J'ai aucun problème avec les États-Unis, sauf que je me disais que mon rôle à moi, quand la France dansait, c'était d'aider la France. Et de dire à Tyrone ou Mario, à ce moment-là, de lui, d'être le speaker du pays qui est en face. Mais tout ça, c'est the game, c'est voilà. Après l'événement, moi j'ai rien contre eux. Je suis, pour info, depuis 2000, je suis entre guillemets celui qui a très souvent été consultant. Enfin, plus, ouais, depuis 2000, parce que souvent j'ai eu mon mot à dire, qui très souvent a fait en sorte que les étrangers, je choisir les équipes étrangères qui venaient en France. Aujourd'hui, si j'ai un problème avec un b-boy en France, allez, sur 100 dates, il a 99 chances de ne pas pouvoir venir. Tellement j'ai du pouvoir énorme. Mais mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est d'élever le b-boying. C'est pas de mettre qui que ce soit à dos. J'estime que en France, je suis... quand je dis je suis la plus grosse tête du hip-hop français, c'est parce que je suis l'un des plus grands activistes au monde. Mais en plus de ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes en France, tout le temps, sur les forums étrangers, tout le temps, c'est mon nom qui est cité. C'est toujours de ma faute. Des fois, je suis même pas là dans l'événement, c'est mon nom qui ressort constamment. Le mot que j'aurais envie de leur dire, c'est si vous aviez la chance d'avoir un UOL dans votre pays, il y aurait plus d'actualité dans votre pays, plus d'événements, et les projecteurs du hip-hop seraient plus sur votre pays. Maintenant, la vraie question que j'ai envie de poser, c'est si moi, j'étais pas en France, qu'est-ce qui se passerait? Ben, je vais vous donner un avant-goût. Pendant un an, je n'ai été que speaker, j'ai fait aucun événement. Et pendant 3 mois, il n'y avait plus 1000% en France. La France, elle a fait ça. Elle est retombée. Alors oui, vous avez quelques personnalités de la culture hip-hop qui auront toujours des plans, mais en France, bah, il n'y avait plus d'underground, il n'y avait plus d'événements gratuits, comme moi je l'ai fait, premièrement. Tous les speakers qui animaient les événements français, à aucun moment, ils faisaient des choses exceptionnelles dans l'événement. Et au niveau actualité, polémique, anecdote, clash, bif, tout ce que vous voulez, il n'y avait rien pendant un an. Moi, je suis un mal nécessaire. Mais parce que je suis un passionné, voilà, c'est ça mon problème. Je suis très très passionné et mon devoir en tant qu'ancien, c'est d'apporter à la nouvelle génération. Et je pense que chaque ancien de son pays devra apporter à la nouvelle génération de son pays. Je suis pas là pour aider plus les Américains que les Hollandais, que les Coréens. Moi je suis là pour aider la France parce que je suis l'ancien de la France. C'est ça mon travail. Et mon travail, c'est de mettre en avant les b-boys français. Je suis pas raciste parce que sur mon site, il y a des vidéos de tous les pays du monde. Je ne fais pas que la France, mais mon but à moi, c'est de mettre surtout les gens de mon pays en avant, ce qui est tout à fait normal. Et c'est ce que chaque membre de son pays, c'est ce qu'il devrait faire pour mettre en avant les b-boys de son pays, sauf qu'ils ne le font pas.